base, moi, j'étais en conservatoire en province. Et c'est vrai que le niveau sur Paris et du jazz en général, il y a un gros trou entre ce qui se fait en province et ce qui se fait sur Paris et ensuite la porte sur l'Europe, etc. Ans que je faisais du jazz, j'ai pas mal d'études de classique derrière moi, mais c'est vraiment la base, c'est-à-dire la tradition, c'est quelque chose que j'avais jamais eu auparavant, et cette connaissance de la tradition, et même encore aujourd'hui par rapport aux études que je fais, c'est quelque chose, on y revient toujours, et ça, ce truc-là, je l'ai appris avec l'IMEP. Déjà l'enseignement, l'arrangement, j'ai vraiment de l'arrangement, mais c'était vraiment du bidouillage, ce que je faisais avant. Là, ça m'a permis vraiment de clarifier ce que je faisais, de pouvoir projeter un arrangement de son début jusqu'à la fin. Ça m'a permis moi aussi, vis-à-vis du saxophone, à pouvoir me poser, à pouvoir construire, mais voir différents chemins pour pouvoir construire, ce genre de choses. Et puis aussi, vis-à-vis de l'ambiance qui règne, entre à la fois les professeurs et les élèves, puis même entre nous, entre élèves, disons de me faire un réseau. C'est parce que le métier marche comme ça, et un réseau, ça se construit. Élève, une interaction qui se passe. Quoi. C'est pas chacun fait son truc de son côté, c'est chacun fait sa merde ensemble. C'est dur, ça demande un certain investissement. En fait, c'est ça. Ça demande un certain investissement. Ensuite, les personnes, comment elles s'organisent, elles y mettent plus ou moins de temps et le bagage qu'on a derrière fait qu'on a plus ou moins facilité vis-à-vis de certaines choses. Par contre, tu as une certaine exigence. Là, par exemple, ce soir, on a écrit pour un big band. C'est quelque chose, même si tu as des bases en arrangement ou quoi que ce soit, c'est une écriture particulière et c'est difficile. Etc. C'est des choses que j'ai vraiment au niveau du langage que j'ai appris, que j'utilise encore aujourd'hui. C'est pas une difficulté sur le jour, mais ça m'apporte des tas d'éléments que j'utilise encore aujourd'hui, quoi, et que je travaille encore aujourd'hui. Enfin, l'avantage de l'IMEP quand même, c'est aussi c'est le prix, c'est une école quand même qui est relativement peu cher par rapport à tout l'enseignement qui est proposé dedans, et ça c'est un gros avantage.